Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, c'est tard, pardon, excusez-moi, c'est Hasard. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter Forza Horizon. Donc, je viens de l'acheter ce matin. Donc, je viens de rentrer chez moi. Donc, je vais pouvoir l'essayer. Donc, je vais essayer de pas trop vous spoiler le jeu quand même. Je vais vous faire une petite vidéo d'une vingtaine, voire une petite demi-heure. Donc, en vous montrant les bases, le début du jeu. Voilà, comme ça, si vous voulez jouer, vous pourrez le voir. Bah, attendez, je vais monter un peu le son de ma télé parce que là, je vous parle avec mon nouveau Triton et donc je n'entends pas le son du jeu. Voilà. Alors, Forza est censé sortir dans 2 ou 3 jours, je crois, mais j'ai réussi à l'avoir aujourd'hui, moi. Bah, attendez, je pense que je vais vous laisser avec l'intro. Si c'est une intro, on va voir. Appuyez sur start. Ah bah non, c'est parti là. Ah, ouais, la petite Viper. Dodge Viper SRT8, il me semble. Allez, c'est parti. Donc, je n'ai toujours pas commencé à jouer, hein. Alors, luminosité. Bien visible. À peine visible, non visible. Sous-titres. Désactiver. On va lancer le solo. Voilà. Clémence, viens fermer ma porte, s'il te plaît. Je vous laisse avec la petite vidéo. Forza Horizon. On pouvait voir comme quoi le jeu est quand même bien fait. Enfin, les intros après, on va voir. Hein. Mais d'après ce que j'ai vu, ça devrait pas poser de problème. On va voir. Freiner, accélérer, direction, rembobiner, changer de vue, frein à main, caméra libre, etc. Ça, on connaît. J'espère que vous n'aurez pas de lag dans la vidéo de présentation. Ah, attendez, je vais peut-être enlever Skype. C'est ça, je pense, qui me faisait bugger. Voilà. Ah non, mais non, pas du tout. Attendez, hop, je relance ça. Ah oui, vous avez une petite cinématique à chaque début de course, il me semble. Vous écoutez Scott Tyler sur Horizon Bass Arena pour le premier jour du festival Horizon. Et vu que j'ai commandé Forza Horizon, j'ai cette voiture dans mon coffre. Le soleil brille enfin, déjà dans mon garage. Colorado et les prévisions annoncent du punch du rythme et des avalanches de moteurs rugissants. D'après la rumeur, le champion en titre Darius Flint arriverait à Horizon aujourd'hui. Alors si vous êtes en voiture, écartez-vous de son chemin. C'est pas vraiment le genre à aimer partager la route. C'est Horizon, bougez pas. Oh merde, excusez-moi, je regardais même pas. Oh, ça commence bien. Senti la manette vibrer. Allez, dégage toi, ça commence. Oh! 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 Là 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 là. Oh! 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 Putain, l'autre il me pousse là, ce bâtard. Ouais, mais je pourrais jamais le cramer. C'est étudié pour. Oh là 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 là. Pourtant, je suis mon conducteur, hein. Vous verrez ça par la suite, mais en faut. Ah, voilà pourquoi. C'est mieux. Ah non, c'est là-bas, merde! Ah, j'ai fait comme dans la vidéo de Wartek. Je me suis gouré de chemin. On peut entendre le GPS hein, qui indique très bien. Dégage avec ta putain de Ferrari, toi.
Encore une petite cinématique. Darius Flint n'est vraiment pas loin de l'horizon et comme je vous l'ai dit, il fait déjà la course. Du Darius tout craché. Ça bon, c'est moi. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous pilotez, ok, amenez-vous, amenez vos amis, bref, allez, rappliquez, vite fait. Aujourd'hui, c'est le premier jour du plus gros festival du monde et je vous le dis. Bon, j'espère que vous n'entendez pas le bruit derrière. Cette année, ouais. Hey, attendez. Avant de remettre de la musique, un invité très spécial tient à nous faire une annonce énorme. C'est la PDG d'Horizon, Alice Hart. Salut Alice. Salut Scott, tout va bien? Et comment? Qu'est-ce que tu as pour nous Alice? Eh bien, on a ce qui s'annonce être la meilleure année d'Horizon. Le championnat Horizon commence demain matin. Et j'ai des places pour les éliminatoires à offrir aux 10 prochains pilotes qui se présenteront à l'entrée d'Horizon. Ah, une course. Ah, carrément, c'est trop cool. Si vous êtes encore sur la route, il vous reste peut-être une chance d'arriver à temps pour participer aux éliminatoires d'Horizon. Allez. Non, il laisse partir. Allez, c'est parti. Bon, cette voiture-là accroche mieux quand même. Hein. Une place de prise pour les éliminatoires, mais il en reste plein. Allez! Une deuxième place de prise pour les éliminatoires. Il en reste d'autres. Allez! Alors, on va le pousser, hein, mon pote. Si vous voulez une de ces places gratuites, bougez-vous. Go! Ah, attends, mais c'est une Porsche. Hein. C'est une vieille gosse, toute poivre. Mais... Flashé. On a un tas de gens ici qui se précipitent vers le festival dans toutes sortes de véhicules. Oh, oh la Lambo. Oh la Lambo qui arrive. En éliminatoire. Allez! Allez, il reste 2 km. Ouais, Lambo, tu veux faire quoi? T'as une Lambo. Si vous voulez participer au festival cette année, vous avez intérêt à faire vite. Ah, merde. Non, je suis à fond là. Voilà, course faite. Bon, vous étiez d'accord que je pouvais pas aller plus vite que ça quand même. Ah, elle est bonne, elle. C'est fini. Ferme la barrière. Oh là là. Ah, c'est bien fait. Hein. Félicitations, t'es qualifié. Voilà ton sticker d'accès, une carte et un pass pour les qualifications. Et ça, c'est pour que je puisse te joindre en cas de besoin. Va faire examiner ta voiture par notre ingénieur de course, Dax Stewart, à l'atelier. En fait, moi, c'est Alice Hart. Bienvenue à Horizon. Putain, c'est bien fait, hein. Oh, ce boule. Ah, c'est trop bien fait. Monsieur Dak a problème avec ma voiture, je crois. Ça oui. Va falloir me remplacer ces amortisseurs de soucoupe volante par quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur une voiture. Ou alors, tu ne courras pas. Oui, monsieur Dak. Ah, le problème avec les jeunes de nos jours, c'est qu'ils essaient de tricher alors qu'ils connaissent même pas les règles. Une Volkswagen Corrado de 95. J'en avais une avant. Bien sûr, la mienne, j'en prenais soin.
Fais-la tourner. Oh, mauvaise synchro. Le point positif, c'est que cette excellente automobile ne devrait pas te tuer. Voilà ton pass. Il faudra que tu reviennes me voir pour des améliorations de performance, pour rester compétitif. Enfin, si tu passes les éliminatoires, bien sûr. Bon, je trouve que les personnages sont pas trop mal faits, hein. On va voir ce que donne la première course avec... Ok, gamin. Ah, attendez. Les éliminatoires auxquels tu participes sont signalés sur ta carte. Règle ton GPS dessus. Ok, maintenant vas-y et fais honneur à ta voiture. J'ai oublié de te dire, la radio de ta voiture était bloquée sur une seule station. Je l'ai réparé, et tu peux maintenant profiter des trois stations horizon. Profite bien. Raison plus, ce vieux. Rock. Oh, j'ai tué la radio, là, merde. Tournez à droite. Attendez. À droite. Voilà. 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Pour t'inscrire aux courses de festival, va aux caravanes comme celle-ci. Quand t'en vois une, garde-toi devant et tu seras inscrit à l'épreuve. On y est. Les éliminatoires horizon. Tu vas devoir Volkswagen finir Corrado top 3 pour te qualifier pour ton premier bracelet. C400. Bonne chance. Participe à l'épreuve. Alors le temps que ça charge, je vais vous parler d'une petite histoire qui m'est arrivée tout à l'heure. Donc on était en maths et avant les... Je crois qu'il y a deux semaines quand j'ai acheté mon iPhone 4S. Le lendemain que je l'avais acheté, enfin non, deux jours après, donc c'était un vendredi, ma prof de physique m'a baisé mon portable parce que soi-disant j'avais manqué de respect parce que j'avais mis mon portable trop fort. Et en plus c'était la promo de la team que je montrais à un pote. Et là tout à l'heure, j'étais en maths et comme vous savez sur l'iPhone 4S il y a Siri. Et j'étais en train de la moitié de m'endormir et j'ai posé mon coude sur ma cuisse, et donc sur ma cuisse, enfin dans mes poches, il y avait mon portable. Et là, j'entends le tilling de Siri. Et je fais putain, non, j'essaie de le désactiver. Merde, attendez, j'essaie de le désactiver. Mais je fais putain, oui, c'est bon. Je reste appuyé sur le bouton pour le désactiver. Et là, ça le réactive. Et là, le prof de maths nous avait rendu notre DM, où j'ai eu un C ou je sais pas quoi, on s'en branle. Et il fait ouais, j'espère que tout le monde a compris. Pour les sinus de... Le sinus de X, enfin sinus A, sinus de T et tout. Et vous avez des questions. Et là le Siri fait à haute voix, mais direct le portable il s'allume, il fait pardonnez-moi, je n'ai pas compris le sens de votre question. Là t'as toute la classe qui explose de rire et tout. Moi je suis trop pour pas qu'on baisse mon portable. Et quoi, je fais, t'as de la chance, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Et c'est le pire prof qu'on a. C'est un truc de ouf. Et j'ai eu un gros coup de choc. Vous avez compris sinus et tout. Pardonnez-moi, je n'ai pas compris le sens de votre question. Enfin, c'était épique, mais j'ai flippé. Et la meuf qui m'avait pris mon portable, enfin, c'est en fait celle qui m'a pris mon portable il y a deux semaines, c'était ma prof de physique, parce que sa collègue lui a dit que je vais manquer de respect et tout, alors que j'ai excusé une dizaine de fois et tout. Et elle se ramène, et j'étais dans le couloir, et j'ai appelé un pote, parce que vu que j'ai changé de lycée cette année, donc je suis dans un nouveau lycée, et qu'on avait un contrôle de physique tout à l'heure, et c'était marqué salle de DS, et vu que je suis nouveau dans le lycée, je savais pas où elle était. Donc j'appelle un pote qui est interne là, qui était là l'année dernière. Et je fais ouais, tu sais où est la salle de DS et tout. Il fait bah non, il savait même pas alors que c'était l'année dernière. Et au même moment, dans le couloir, la meuf qui m'avait balancé à ma prof, qui est pas dans le couloir, elle fait ça va, je te dérange pas. Et je fais non mais j'étais pas l'année dernière et tout, je sais pas où est la salle de DS. Elle me fait bah attends, viens je te montre. Elle m'a rien dit pour mon portable. Enfin c'était ma journée de coup de chat. Et là pour vous présenter ça, j'ai séché. En gros j'avais cours normalement de... À midi 50 à 1h45 j'avais mon contrôle de physique, donc là où j'ai été. Et de 1h45 à 15h35 de base j'ai 2 heures de SIN, donc science système d'information numérique, donc la spécialité que j'ai pris dans mon lycée. Et j'ai une semaine sur deux en fait on change, donc là je devais l'avoir de 3h30 à 5h je crois, 5h40, donc ça me faisait rentrer à chez moi à 7h. Et vu que de base j'ai pas le droit de jouer, et ben je pouvais pas faire la vidéo, donc j'ai décidé de sécher. Et j'ai réussi à appeler un transmoral à la demande et tout. Enfin, j'ai réussi à voir et je me suis pas fait cramer parce que j'avais séché, j'ai dit que j'étais malade. Enfin voilà, belle journée. Ah bah, première course, fini premier. Extra, ta première course est
épreuve à Horizon et tu la termines à la première place. Magnifique. Les épreuves jaunes débutent demain matin. Mais j'ai un rassemblement dans la journée et j'aimerais bien que tu y participes. Va à Red Rock, la foule t'attend. Let's go. Ça va. Oh là là. C'est pas une petite course, hein. Présente Mustang vs Mustang. Ah ouais, si je gagne, j'ai une Mustang, je crois. On se voit là-bas. Vas-y, let's go. Vas-y. Normalement, faut qu'il y ait un radar sur cette route. Là, voilà. Hey, tu viens de trouver un radar d'horizon. On les a placés aux quatre coins du Colorado. Dès que t'en vois un, passe devant le plus vite possible. On gardera ta plus grande vitesse à chacun d'eux. 100 km/h. Ouais. Attendez, il y a un petit. Je crois que ça me rapporte pas, mais. Ah, j'y arrive déjà, il reste 10 km. Media Center, détenteur de bracelet uniquement. Ah ouais, le bracelet, je le gagne dans pas longtemps. Ah, si, faut que je la fasse. Combien il faut de. Voilà, derrière la voiture qui arrive. Une ampoule. Si vous êtes Zaki Malik, vous êtes chaud. Je dirais qu'une chose sur sa garde rapprochée, je veux le nom de leur tailleur. On va ralentir un peu. Vas-y, passe-moi devant avec TVR, je crois. Vas-y, let's go, essaie de lui rentrer dedans. Vas-y, allez, allez, allez. Ah, le bad. Non, j'ai fait. Ah, si, j'ai réussi à lui rentrer dans la camionnette blanche. Avant, dans les Forza, on n'avait pas cette possibilité. Là, il y a deux voitures. Vas-y. Pouah ! Allez, dans le mur. Ma voiture. Oh, elle est défoncée, ma voiture. Ouais, l'intérieur est bien fait. Hein. Ouais, c'est une petite voiture, mais. Une balle. Hop là. Dans les rassemblements, ah, il s'agit d'épater la foule. Mais s'il te faut une motivation supplémentaire, le sponsor t'offre la voiture en cas de victoire. Pas mal comme récompense, hein? Vous allez kiffer cette épreuve, mais un truc de baiser. Donc on a quasiment 20 minutes de vidéo, ouais, je pense que j'en fais encore 2 ou 3 et puis on verra. Je pense que jusqu'à ce que j'ai le bracelet, que je vous montre le salon de l'auto et tout, enfin je verrai si ça me chante ou pas, si j'ai envie de continuer. De toute façon, j'ai continué à jouer. Et j'espère, je sais pas si je vais faire un let's play de chaque partie, si je vous fais découvrir le jeu en entier. Ce qui va être assez long. Bon, voilà la voiture. Voilà. Contre qui je me bats. Et toi, devais passer les points de contrôle dans l'ordre et foncer vers la ligne d'arrivée. L'avion a un plus grand rayon de braquage que toi, mais il est plus rapide en ligne droite, alors ça va être serré. Je sais pas d'où arrive l'avion en fait. Ouais. Ah, il arrive de là. Putain, elle glisse la voiture. Moi j'aime pas conduire comme ça, c'est plus ouf. La voiture tremble à chaque fois que l'avion passe, ça me fait déraper. Je trouve que les portes sont assez bien faites. Hein.
sont assez bien en fait, je sais pas si ça se dit. Je suis en avance. Et les portes sont bien en fait, on va dire. Les petits lasers qui montent assez haut. Il arrive. Il va vite ce bâtard. Il est encore devant. Oh! Si jamais je me chie juste avant la fin, je vous montrerai la fonction de rembobinage. Je l'avance. 70%, allez. Il est en face ce bâtard, regardez, vous le voyez dans le ciel. Oh. Ah, il prend face devant ce bâtard. Une seconde de retard et je suis rendu à 77%. Vas-y, on y va. On attaque. Oh, j'en ai deux. Ouais, mais la voiture elle glisse trop, c'est une voiture de merde. Vas-y, dernière ligne droite. Enfin, dernière ligne droite, non. Là, faut pas que je dérape, sinon je fais des œufs. Qu'est-ce que je viens de dire? Allez. Oh, coup de chatte. Super boulot. T'es officiellement plus rapide qu'un avion. On peut pas en dire autant de tout le monde, hein? Bon, j'ai gagné cette voiture de merde. Je le savais. Tu nous as encore fait un sacré numéro. Tu comprends mieux pourquoi les rassemblements ne marchent que sur invitation? Tout le monde rêverait d'y participer. Je monte pas dans la voiture, c'est mort. Ah, voit au moins 8, elle est moche. Aide à la conduite. Félicitations, tu t'es qualifié pour le championnat Horizon. Arrête-toi à la direction de course, je te donnerai un bracelet jaune et je t'expliquerai les bases. Voilà, le bracelet. Ok, on se voit là-bas. Je crois que c'est loin en plus. J'organise un rassemblement comme cette course de Mustang pour les fans. Et j'essaie de faire venir les pilotes les plus populaires. Si tu veux ton invitation, augmente ta popularité sur le festival grâce à tes prouesses au volant. Ah voilà, c'est ça, et je crois. Et peut-être que si tu deviens un peu plus populaire, je t'appellerai. Ah voilà, burnout. C'est ça dont je parlais. Ça commence. Montre-moi ce que tu veux. Je suis 250e pour l'instant. J'essaie de vous faire des bêtes de drift pendant que je vous travaille dessus, mais c'est chaud. Hop là, tout perdu. Oh, t'as raté ces prouesses à la chaîne. C'est pas comme ça que tu vas attirer les fans. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Ah merde, oh, c'est pas grave. Oh, le bâtard. Ça, faut les défoncer ces trucs là. C'était un des panneaux de remise de DAC. Détruis-les pour obtenir des réductions sur tes améliorations dans le garage de DAC sur le festival. Ah, c'est bien. Ok, je les ai écrits pour pas me tromper. Dakar, Bajar, Alaska. Ah, y a un putain de radar Afrique, là-bas. Asie, tous les pays dont le nom. Oh, Ramona Cravache y a couru. Elle a couru partout, quoi. Ah, quelle femme. Si tu nous écoutes, Ramona, Bassarena te salue. Putain, mais c'est une salope, cette voiture, elle me bloque.
C'est là-bas qu'il faut aller. Il commence à faire nuit, voilà. Ah voilà, c'est là-bas. Il y a un feu d'artifice. Vous voyez ? Waouh, t'as aussi maîtrisé les combos. Impressionnant. À 400 mètres, tournez à gauche. Oh. 2850. Ah, on s'est trompé de chemin. Je vais te faire tourner. Je vais te faire en arrière, je vais te détruire ça. Quand je vais retrouver les 100 panneaux, pas toutes les pièces sont gratuites, c'est trop frais. Comment j'atteigne le niveau 200 du passé devant l'autre là. Ah d'accord. Comment j'ai fait. Merde, annule. Défini drift, tu feras un 2 sur 1. Arrivé à destination. Le 600. Ah! Je passe niveau 249, je vous montre le truc et c'est bon. C'est fini là. Quasiment une demi-heure de vidéo, ouais, c'est bon. Pour tes idioties télévisées, si tu crées le moindre incident pour ton émission. Je t'exclus du championnat en moins de temps qu'il n'en faut pour dire série annulée. Pour toi, Alice, tout ce que tu veux. Sans rire, il n'y aura clairement pas de deuxième chance. Ok, ok, j'ai compris. Je ne ferai pas de pitreries dangereuses. C'est promis. Oh, salut. T'es le nouveau. Je vais me la faire. Beau pilotage, à toi la dernière place. Ce bracelet signifie que t'es qualifié pour le championnat. Il y a 249 autres pilotes en lice cette année. Et tu peux me croire, ils sont tous plus connus que toi dans le milieu. Darius, ça lui attend une minute, tu veux ? Si tu veux te faire un nom au sein d'Horizon, c'est au volant que ça se passe. Les spectateurs viennent voir des courses spectaculaires. Et on a toujours besoin d'un pilote populaire comme toi. Darius, quel est le problème ? Le mec, il est mis de Bolt, quoi. Félicitations. Un bracelet jaune signifie que t'avances dans le championnat. Si tu veux devenir champion, tu dois continuer à concourir lors des épreuves du festival. Remporte-les et tu amasseras des points. Ces points te donneront accès à d'autres bracelets. Et enfin, les bracelets te permettront de concourir pour le titre. J'aimerais beaucoup avoir un nouveau champion. C'est pour ça qu'Horizon t'a attribué une petite somme de départ. Bonne chance. Le Recaro Rush est une épreuve tout-terrain. Il te faudra donc une voiture à transmission intégrale. Allons au salon auto pour en acheter une. Wow, c'est... Non, c'est l'Aventador, ça, il me semble. C'est pas l'Aventador. L'Aventador, je vais me l'acheter.
200 et quelques points Microsoft, je sais plus combien exactement. Mitsu. Je reste bleu, je reste fidèle à la soupe. Bon, je vais vous montrer un truc qui est encore plus intéressant que ça, vous allez voir. Là, c'est déverrouillé plein de pas mal de succès. Hein. 10, 20, 40, 60, 75. Tu peux peindre ta nouvelle voiture à l'atelier de peinture ou aller directement au Recaro Rush. C'est là. Nouveau message. Équipe, ok, vous avez un cadeau. Centre de message. Je pense que le jour où vous verrez ça, on sera vendredi. Et vous aurez la suite de l'épisode, je pense, samedi, parce que je pars samedi matin et je vous uploaderai ça dans la nuit de vendredi, je pense. Horizon Rocks, la radio des riffs et vies. Une petite pause quand même pour un nouveau point sur le festival avec Dan, le reporter Haglund. Qu'est-ce qu'il y a, Dan ? Salut, Dan Haglund, reporter... La LC5, SM, Imad Bro... Ramona, qu'est-ce que tu sais du nouveau pilote mystère d'Horizon ? Oh, elle est jolie. Rockstar en plus. Bon, attendez, c'est un petit peu long, mais j'ai téléchargé ça. Donc, pas de quoi inquiéter quelqu'un comme toi. Dan, c'est juste un gosse qui se bat dans la cour des grands. Il ferait mieux d'abandonner tout de suite. J'espère que tu m'entends, gamin. Ramona, t'as l'air au top mentalement. Mais physiquement, tu reviens de loin avec ce lama que t'as percuté au cours du Dakar. Ouais, le Dakar 2010, c'était quelque chose. Mais bon, rien de cassé, seulement quelques bosses. Et tu veux que je te dise, Dan ? Voilà. La voiture est repartie et on a fini la spéciale. Et ouais, les gars, c'est à ça que le gamin vient se frotter. Je charge juste ça, après je vais au stand. Je vous montre vite fait la voiture, le salon de l'auto pour à peu près toutes les voitures qu'il y a. Je vais pas tout vous montrer, hein, mais... Pour montrer les qualités de graphique des voitures. Et puis après, on s'arrêtera là. Hein. Toujours aussi amusant, mais c'est pour ça qu'on t'aime. Tiens, celle-là, c'est pour toi. Voilà. Supprimer et supprimer. Ouais, on peut pas supprimer. Okay. Ah mais c'est que j'y suis déjà. Ouais, voilà le salon auto. Alfa Romeo DLC. C'est pour acheter une nouvelle voiture. Quoi ? T'as pas assez de crédit ? Eh bien, fais-toi plaisir avec un jeton voiture ou deux. Tu sais bien que t'as vraiment besoin de la voiture sur laquelle tu bavais. Allez, belle, allez. Ah, dites-moi celle-là. Elle est volée. Vous verrez plus tard pourquoi je dis ça. Allez, belle. Ah, moi je vais aller voir. Merde, je prends Bugatti. Oh là là, ils l'ont foutu en super sport. Là, j'ai un. Gueule, l'embout. L'embout. La Raventon, c'est celle qu'on voit devant. Oh, regardez-moi ça. Oh, oh, elle est belle, elle. La Ventador. C'est celle-là qui est dans le DLC. Celle-là, on peut l'acheter 400 000. Celle-là, 2,7 millions. Ah, d'accord. Tout ce qui est dans le pack voiture. Elle qui est gratuite, que je peux avoir. Ah, d'accord, non. L'Apollo et la Ferrari. D'accord. Celle qui vaut plus le coup, c'est la Ventador. Ouais, enfin voilà. Voiture de fidélité disponible. Allez voir dans notre garage. Qu'est-ce qu'il me fait ? Je vous montre mon garage et puis allez, j'arrête après.
demi-tour dès que possible. C'est mon garage. Ah, c'est là. Et... Ah, putain, je prends ça. Oui. Bienvenue. Ah, merde, c'est le club, c'est pas ce que je veux. Voilà, là. Market shop, marketplace, paint shop, garage. Hey gamin, bienvenue dans mon garage. Prends une voiture, voilà. Saviez-vous que personne n'est jamais mort en prison? Pas de mort tragique, de perte inspiratrice, ni même un sacrifice poignant. C'est quand même... Ah bah oui. Ah. Mini Cooper, Citroën DS3, Dodge Charger, Camaro, Jaguar, Apollo S, Lamborghini Aventador, Aïe! Oh, 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 beau gosse, il a Aventador. Oh là là, oh là là. Hop, hop, hop. Sexy. Celle-là, celle que j'ai eu en cadeau, celle que j'ai téléchargée. Hop, celle que j'ai en cadeau, celle que je viens d'avoir, que je vais prendre tout de suite, la Gumper et la Saline. Allez, vas-y, pilotez voiture. Écoutez ce bruit. Je vais vous montrer l'intérieur, si c'est comme dans la vidéo que j'ai sur YouTube dans les favoris. Oh là, déjà, je pense que Sforza commence bien. Hein. La voiture que je voulais m'acheter via le Season Pass 240 points Microsoft, bah non, je l'ai. Amélioration auto, on verra plus tard. On va changer de vue. Ah, c'est le même. C'est exactement le même. Écoutez-moi ce bruit. Ah, je me suis gouré de touche. Ah, déjà, bon, c'est pas grave. Je fais un petit tour avec. Et... Accroche tellement que j'ai même pas besoin de freiner quoi. Oh ouais, j'ai besoin de freiner quand même. Juste destroyer ça là pour avoir un... Ah merde. Ouais, 240e. Salut. Ah. Tu commences à te faire remarquer par ici. Continue comme ça et il se peut que j'ai du travail pour toi. Voilà ce que j'arrive dans la gueule. Regarde. Oh là là, c'est beau. Salut, c'est Alice. Vas-y, je le défie. Si tu veux te faire un peu plus d'argent, tu peux défier les autres pilotes du festival quand tu les rencontres sur la route. Pour ça, t'as qu'à te mettre derrière eux. Ah, quel con. Ouais, je vais perdre. Je crois que c'est un raccourci, mais non. Ah, mais c'est pas fini. 400 mètres, déportez-vous sur la droite. Ah, le bâtard, il y a pas un raccourci. Vous écoutez Phoenix sur Horizon Rocks. Allez faire un tour au salon auto d'Horizon. Croyez-moi, il y a des modèles magnifiques là-bas. De quoi, Kyle? Non, je parle des filles, crétin. Je vous mets un peu de musique. Je vais me le faire. Je me le suis fait. Oh merde. Ouais, c'est bon. Je vais te dire merci à Aventador. Ah, 7000 de thunes quand même. Ça, il y a un petit radar là-bas, je vais me faire. Oh, yes, on peut aller dans les champs.
Ah, ça passe pas là, si ça passe. Wouh! On fait un petit défi avec lui là. C'est Levin, viens là. Levin, viens là. Yes. Dès que tu découvres un avant-poste, tu peux y revenir en utilisant le voyage instantané depuis n'importe quel endroit contre une petite somme. Il te suffit de sélectionner l'avant-poste sur ta carte, de payer, et on s'occupe de tout pour te placer juste à l'extérieur. Si tu veux baisser le prix du voyage instantané et t'amuser en même temps, je te conseille de vérifier quels coups de pub sont proposés. Fais demi-tour dès que possible. C'est quoi ce truc là? Oh, oh, ce qu'il en met. Un point bizarre là. Ah bah tiens, quand même. Il va pas très vite, hein. Ah yes, en plus c'est le radar. 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Les stations sont pas mal quand même. Hein. Oh le bâtard! Ah l'enculé! Ah, je vais me venger. Oh l'enculé. Bah c'est ça, je reviens en arrière. Je vais pas me faire baiser. Phoenix Fox, votre distributeur officiel de rock pour le festival. J'ai un tuyau pour vous avant de revenir à la musique. Si vous galérez pour vous offrir des améliorations chez DAC, éclatez autant de panneaux de remise. Hé, hey, monsieur le mystérieux, ça faisait un moment. Merci pas, c'est naturel. Demi-tour dès que possible. 100 mètres, vous arriverez à destination. Tu viens gagner ton premier bonus de sponsor. Montre ton talent dans tout le Colorado et les sponsors d'Horizon te paieront grassement. Ça donne envie, hein? Oh, regardez la bagnole, quoi, elle a de la gueule. Assez coriace. Ramona Cravache est la femme à battre. Ta voiture n'est pas admise dans cette épreuve. Mais tu en as une dans ton garage qui l'est si tu veux y participer. Ah, tu m'étonnes! Classe B, la Lamborghini Aventador n'est pas autorisée. C'est un peu normal. Oh non 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 non. Par contre, il va me falloir un petit peu longtemps pour faire le rendu de la vidéo. 45 minutes de par le temps. Valeur du garage déjà 1 600 000. Hein. Ça fait mal, hein. Bien les yeux, tu pourrais apprendre beaucoup de choses. Écoute la musique derrière. Enfin, écoutez, pardon. Oh, non, allez. Merde, tu es con. Ah, pas très vite. Ah, j'aurais dû l'améliorer. Okay.
Non. Oh. Attendez, je vais revenir en arrière pour pas me faire baiser mon combo que j'avais fait, c'était pas mal. Ah, ça marche pas. Regardez ici qu'il y a devant là. L'âme. C'est le mec que j'ai déboîté plusieurs fois et que ça n'a pas gagné. Vas-y, Aspi. Je déboîte. Ouais. Wouhou. Par contre, la soupe, elle accroche bien sur la route. Par contre, avec son putain de... ça que j'aime bien faire. Normalement là c'est bon. Quand j'ai essayé la démo, franchement j'étais déçu de ce Forza. Mais là c'est un régal. On retrouve le plaisir de conduite avec l'avantage d'un petit burn-out avec un mélange de Need for Speed. Enfin c'est... ah merde, c'est là-bas. Pourquoi je me suis dégoûté? Premier, oui, c'est moi qui ai gagné. Rivo permet à Horizon de vous ouvrir ce spécial, à toi et tes amis. 500 crédits. Et tu gagneras des crédits et le droit de te vanter. Chaque épreuve de festival que tu termineras sera disponible dans les épreuves Rivo. Tu peux accéder à toutes les épreuves Rivo depuis la direction de course si tu ne veux pas faire la route jusqu'à chacune d'elles. Vas-y. Non. Je voulais l'affronter mais je suis gouré de touche. Bon, ce que je fais c'est que je vais retourner au salon. Je vais prendre je pense une autre voiture mais je vais d'abord essayer de peindre le... prendre quelque chose, je vais voir, je sais pas. Deux épreuves jaunes de plus pour toi. À toi de voir dans quel ordre tu veux les faire. C'est quoi là? G-Shock Super Sprint. Oakley Bees. Monte le son du festival Horizon. C'est moi, Fox. Faut que je vous dise un truc. Un jour, je fais un voyage instantané, ce sera fait. Vitesse a fait hip au lieu de faire hop. Résultat, il a un pacemaker. Ça évitera de rouler. C'est ce qui est écrit sur la carte. Alors, comment ça se passe? Amélioration perso. Modifications de carrosserie peuvent améliorer le look et la maniabilité de ta voiture. On a des kits pour tout ce qui vaut la peine. Là, ça fait juste augmenter le freinage, ça sert à rien. Le pare-choc, c'est la même. Les pneus. Type de gomme. Oh ! Ouf, vas-y. Largeur de pneus. Ça me fait 10 de freinage, mais ça me fait perdre... de l'accélération du départ arrêté, ça sert à rien. Largeur de pneu arrière. La même. Jante, style de jante. Non, je vais laisser celle de la longue, elles sont bien. Moteur. Hop là. Ça fait vraiment... départ arrêté. Ouais, c'est bon, j'ai un peu de fil. Enfin, il y a un truc, je sais qu'il me semble qu'il faut augmenter vraiment beaucoup quand même. Donc, il faut bien que je fasse attention. Il y a des trucs, ça coûte la peau du cul.
Voilà ça. Il est pas arrêté. Attendez, hop. Performance et plateforme adhérence. Ah, c'est ça. 3000 de thunes, regardez. Hop. Hop là, il me reste 21 000 et je suis à quasiment 10 partout. Ça, ça l'ordi. Ça, ça augmente. Ça coûte 3000. Ça, ça augmente aussi. Transmission. Ça fait augmenter, mais pas beaucoup. Ça fait augmenter le départ arrêté. Ça, ça fait baisser. 1400, j'achète. Conversion. Aspiration. Oh! Tu veux un moteur plus puissant? Une admission forcée pour ta voiture de collection? Tout ce que tu veux, on peut te le faire. Et voilà, vous avez la voiture parfaite. 10 partout. Ah, vous pouvez pas faire mieux. Hein. Attendez. Si, par exemple, il y avait un truc qui faisait moteur. Voilà, ça. Ça me rajoute du départ arrêté quand même. 10 kW, 6000 de thunes. C'est pas assez de toute façon. 6000 de thunes, ça fait quand même augmenter, mais pas. Ouais, faudra que je mette tout à 10 quand j'aurai cette thune. Hop, je quitte l'atelier. Je vous fais test la petite. Non, on ne devrait pas tarder à voir chez Casey est connecté. Enfin, je pense. Ah, il m'a accepté. Je vais aller faire un tour. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Oh oh oh. Oh, ça, oh, ça arrive tout seul. Ah, ça a l'air trop bien ce truc. Vitrine de livrée. Je sais pas s'il y aura des swags, hein. Le jeu est sorti, il n'est pas encore officiellement sorti. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait déjà des mecs qui aient fait des livrées. Hein. Mais bon, on sait jamais. Non, les gens payent, c'est bâtard. Ken Block. Ah, M. Selmer s'est connecté. Livré pour ma voiture. Oh là là, j'ai. Non, ça c'est 50 000. Ça c'est 1000. Ouais, non, je préfère en vrai. Toi, je sais qu'ils sont connectés, mais c'est lancé connecté. Ils vont aller sur une W3, donc moi je vais y aller aussi. Celle-là, elle est belle. Non, ça j'aime pas. Oh, celle-là. Ah non. Monster Energy. Non, mais je vais prendre celle que j'ai vue là. Elle est bien. Voilà. Allez, ici le stand de peinture, je vous montre, et puis après moi gigot, j'irai faire un petit tour sur Modern Warfare 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc je vous ai montré une petite heure de Forza, mais bon, je vous ai pas dévoilé le jeu, hein. Je vous ai montré deux épreuves de festival, j'ai fait 5 courses. Donc, regardez-moi ça, elle est belle, hein. Vous voyez déjà que ça va quand même plus vite, hein.
On va voir si elle accroche sur le gravier, ce qui n'est pas le cas normalement. Déjà, si vous entendez des groupes parler derrière, moi j'ai pas mon micro, je suis en train de vous parler sur Skype, mais je pense que ça peut être pas mal. Enfin, ça peut être pas mal aussi, désolé pour le dérangement. Wow! Enfin, je vais essayer de faire une petite, petite course de trucs avant d'y aller. Ah, je peux pas! Ah si. Vous êtes de retour sur Horizon Rocks. Est-ce que j'ai de la musique pour vous? Vous savez que oui. Un peu plus tard, je vais vous passer un de mes titres préférés de The Hives. Des fous avec des accents de malade. Attendez, je suis quand même avec une Aventador sur des petits chemins. Et je crame un mec. Enfin, de toute façon, c'est un peu normal. Mais... regardez sur le radar, on le voit même plus. Mais... je regarde même pas la route, je regarde le radar. Regardez à combien je suis dans 5ème. Oh, il y a un radar, c'est parfait. Défi terminé. Prime 1600, ouais, c'est pas. Hein. On va dire que c'est pas fameux. Attendez, je suis où par rapport au niveau de la carte là dans le coin? Ouais, je vais découvrir cette petite partie là et puis après je vous laisse. Ah. Wouhou. Je vais organiser au passage un Fallen Kingdoms sur, sur Xbox. Au passage, pour se chauffer quand je le ferai avec Gotaya. Donc, si jamais ça vous intéresse, laissez-moi dans les commentaires et puis je vous inviterai. Il faudrait avoir 8. Merde, je regarde mon portable qui vient de vibrer. Il faudrait avoir 8 joueurs pour faire. Non, aussi 8 joueurs pour faire 4 équipes de 2. Donc, si jamais vous avez un ami, même que moi je connais pas, ou qui voulait faire participer au Fallen Kingdoms, vous me le dites et puis. Pas de problème. Moi je vais visiter ce petit village là. Je vais essayer de dépasser l'heure de vidéo quand même. On a 58 minutes. Et en plus il y a des rivales. Des rivaux. Ah attends, il y a lui là. Je vais rigoler. Je veux rigoler. Je vais essayer de rester en première. Ouais, vas-y, c'est bon, j'accélère. C'est pas marrant, sinon. Je vais ralentir. Non, ouais, je vais faire. Je sais pas. Ici Phoenix Fox. Dans l'heure qui suit, j'ai tout un tas de musique à vous passer, avec des titres de The Duke Spirit, Mona et les Arctic Monkeys. Oui, madame. Continuez à piloter. Horizon Rocks continue à vous diffuser les meilleurs morceaux. Ah, c'est bon, c'est pas les parents qui arrivent. Hop. 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 Oh, bah non. Hop. Oh, je vais déboîter le panneau. Voilà. Bon bah je vous le sursors, vient de dépasser l'heure de vidéo. Ah donc merci à vous de m'avoir suivi. Et bah je vous dis bah à demain pour le prochain let's play hein, je suppose. Ah il y a même des puces. Et puis je pars pendant une semaine.
et vous continuerez ces vidéos. Bon, c'était Hazard, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.